Et nous revoici sur le domaine skiable de Juanito. Pour continuer la série, les amis, merci beaucoup pour vos retours, pour vos messages, pour votre soutien, pour vos encouragements à continuer. Je vois que la série vous plaît. Et ben pourquoi pas essayer d'aller plus loin, vu que le jeu est sorti et que pas mal de bugs ont été corrigés. C'est tout à fait fluide maintenant. C'est fini, j'ai plus de problème de ralentissement et de full. Il a amélioré la full, hein, le dev, c'est mieux dispatché. Et il a fait quelque chose de très important, c'est que les zones pour placer les télésièges et les téléskis sont plus simples à poser. On peut maintenant effacer, par exemple, je vais vous montrer sur celui-là, et reconstruire, parce qu'en plus il est buggé. C'est ça le problème depuis que le jeu a été lancé en Early Access. Moi j'avais accès à la démo fermée. Bon voilà, là ici c'est beaucoup plus simple à poser. Je peux le remplacer. Et donc il y a eu pas mal de petites mises à jour qui ont été faites. Donc on va continuer cette partie, mais comme vous pouvez le voir, j'ai des bugs un peu partout de pistes. Donc je vais essayer de solutionner tous ces bugs pour qu'on puisse repartir sur quelque chose de nickel. Et on va continuer nos recherches et on va surtout se barrer sur un autre pan. Puisque vous êtes plusieurs à m'avoir dit que la station n'était pas très technique et qu'il y avait beaucoup de pistes vertes, c'est vrai. Mais on peut imaginer, par exemple, j'ai une station dans les Pyrénées qui s'appelle Saint-Lary-Soulan, où c'est une très vieille station des Pyrénées, une station faite pour le ski à l'époque. Et bien dans le domaine le plus plat, s'il n'y a que des pistes vertes, c'est le domaine le plus ancien. Et ensuite, quand on s'en va sur d'autres monts, sur d'autres parties du domaine, il y a des choses beaucoup plus techniques et beaucoup plus étroites. Et bien là, c'est ce qu'on va faire, et surtout en milieu de station, au milieu des pistes ou en hauteur, on mettra aussi des barres, des refuges et tout ce genre de petites choses-là. Donc là, j'ai pas mal de changements à faire parce que ici, j'ai un bug. Là, la piste n'est pas terminée. Cette piste, en fait, là, ça correspond pas. Les skieurs restent coincés ici. Ici, on va faire de la place. Je vais tout virer parce qu'on va mettre un gros débrayable 10 places qui va nous emmener là-haut. Je vais corriger les quelques bugs de piste qui est à droite à gauche et on se retrouve dans quelques instants. Alors, on a un petit peu de changements qui ont opéré puisque maintenant, ici, on a un sublime avec 4 personnes, petit fast-food, qui nous permet d'avoir plus 20 en énergie et plus 60 en nourriture. Aussi, les recherches, je vais en prendre d'autres tout de suite. Les recherches, c'est normal quand on recherche du violet. Ah non, voilà, je les ai prises, on va chercher le télésiège débrayé à 4 places. Ça correspond à ce qu'on a fait nous, hein. Menez vos skieurs toujours plus loin et toujours plus haut, donc c'est normal que tout ce qui est spécification orange, on les ait pas, puisque c'est pas ça qu'on a choisi. Là, on a 3 recherches, je vais prendre ça, c'est fait. Restaurant, salle de service, le solarium, là. On va prendre scanner embarqué, 100 mètres d'autonomie, plus 5 unités, heure de vitesse de travail. Ah, mais ils vont moins lent, il va falloir en mettre plus, donc ça, on va pas y toucher. On va prendre des chemins de service pour que les mecs puissent avoir 20 mètres heure de plus de vitesse de déplacement. Et on va attendre un petit peu que ces recherches se fassent. Ok, donc là on a la piste qui a été refaite. Là, on a pas, j'ai pas mis un 4 places ici, dis donc. Ah non, parce que le 4 places, c'est trop court. On est obligé de laisser un 2 places. Je me souviens plus, voyons, on va essayer de suite de mettre un 4 places. Hop, hop. Boum, bim, bam, badaboum. Il est là. Et encore, faudrait peut-être mettre un débrayable, mais on n'a pas la recherche encore. Donc, est-ce que je peux te foutre ici? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que tout le monde va être content si je fais ça? J'espère que ça va fonctionner. Let's go. Et du coup, on se retrouve avec un 4 places plutôt qu'un 2 places. Ici, le petit refuge. On va y mettre 2 personnes. Petit refuge placé de manière un petit peu plus sympa. Et encore. C'est vrai que ça me plaît pas tant, ça non plus. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Ah, voilà, c'était pour cacher tout ce caca. Ok, donc là, on a l'arrivée de la piste. Là, on a un fast-food. Est-ce qu'on a... On n'a pas de cabane de pisteur ici, hein. J'avais enlevé les cabanes de pisteur. Ok, bon, on va mettre ce refuge en bas quand même, mais on va essayer de le mettre un petit peu plus proche. Un petit peu plus propre, pardon. Petit refuge. Et vous voyez que les petits refuges, chaleur, énergie. Et là, vous pouvez voir que les zones, maintenant aussi, sont plus clean. On peut placer les bâtiments différemment. Vous voyez, je peux les poser maintenant un petit peu plus n'importe où qu'avant. Mais peut-être pas encore n'importe où, apparemment. Ok, voilà pourquoi je l'avais pas mis droit à l'époque. Ok, ça va pas du tout cette histoire. Ah, oui, non, dommage. Ça va pas aller ça, on va mettre une petite cabane. On va mettre une cabane de pisteur ici, parce que ça on peut la mettre où on veut, normalement. Est-ce que cette cabane de pisteur me permettrait justement de mettre le refuge de manière un peu esthétique et logique surtout? J'ai pas l'impression. Alors pourquoi tu es tourné comme ça? Non mince, j'ai fait clic droit, fallait pas. Alors j'ai un peu de mal à trouver la souris des fois. Parce que sur ce blanc, c'est pas facile de tout voir. Mais par contre là, ça m'ennuie un peu. Ok. Oh c'est chiant. Mais là ça n'a rien à voir, ça a pas lieu d'être ici. Bon on va pas... C'est le jeu les gars. On va être obligé de batailler 3 heures là-dessus. Parce que ça me convient pas. Et là c'est vrai que j'avais refait cette piste. C'est pour ça qu'elle est tordue en bas. Écoutez, vous savez quoi?
On va tout refaire. Parce que ça me plaît pas. Bim. Et bam. Ok. L'idéal serait quand même d'avoir peu de... Il va y avoir du bleu, hein, tant pis. Alors pourquoi tu me fais ce virage comme ça? J'ai trop tourné. C'est plutôt comme ça que je devrais mettre, voilà. Et là, c'est vert jusqu'au bout. Attention, suspense. Est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose de droit? Là, si je passe comme ça, on a la descente bleue à la fin qui est un peu ennuyeuse. Ok. Il y a ces deux plots qui sont là. Non! Au secours! Ma cabane de pisteur, vite! Mais non, ça n'a aucun sens. Ah là 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 là! Ah, ça me plaît pas, ça me plaît pas, ça me plaît pas. On l'enlève. Bon, mais désolé, on va passer un épisode là-dessus. Mais c'est la vie, les gars, c'est la vie, on est obligé de passer par là. Pas le choix. Vous voulez voir comment je construis ma station? Eh ben, on fait tout ensemble. Boum. Bam. Bim. Et boum. Voilà. Ça, c'est fait. Ok, allez, let's go, les gars, let's go. Combien j'ai de cabanes de bâtisseurs? Non, je ne veux pas faire ça, je veux juste voir ça. Loge de bâtisseur, j'en ai qu'une. Voilà, donc elle est où? Elle est encore là. Vous savez quoi, les gars? Je vais la virer. Parce que j'ai pas envie d'avoir un truc moche à côté des beaux bâtiments, à côté du village. Donc si je démolis les bâtisseurs, on n'a plus de bâtisseurs. Mais on va les remettre tout de suite. Et on va les remettre au milieu de tout ça. Dommage. Dommage, dommage. Dommage, 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 lâche. Ah, non mais là c'est beaucoup trop au milieu de tout le monde, là c'est pas possible. Ok, cette loge de bâtisseur, elle va m'emmerder elle aussi, je crois. Attendez, attendez, il y a quelque chose. En plus, il n'y a plus de son. Et la musique fait que couper, c'est trop bizarre, la musique fait que s'arrêter. Est-ce que c'est quand je mets pause que la musique s'arrête? Je sais pas. Ah mais là ça va pas passer, on est d'accord que ça va jamais marcher, c'est ça? C'est ça que vous êtes en train... Ah! Oh, 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 c'est parallèle. Oh, ça me va. Ok. Et là, du coup, on va mettre la petite cabine de pisteur. Pourquoi il passe par là, Jean? Calmez-vous! Voilà. Ok, donc toi, t'es en construction. On se dépêche, les enfants, on se dépêche. Ben, j'ai pas de bâtisseur. Ma souris, allô? Voilà. C'est ça que je craignais de la perdre. Ok. Donc jusqu'ici tout va bien. On a bientôt fini le gros 10 places. Alors vous voyez que, ici je sais plus ce que je vous l'ai dit parce que j'ai recommencé la vidéo parce que c'était pas simple de corriger les bugs. Là, les mecs restaient coincés. Et vous voyez ce qu'ils font maintenant? Avant, j'avais un tas de persos ici. Alors, il y en a encore quelques-uns qui viennent fouiller un peu dans les garages. Barrez-vous les gens! Bon, c'est pas grave, on va laisser, on va faire comme si ça marchait. Parce que vous voyez, ils peuvent repartir par ici. Et là, ils atterrissent du coup sur la grande aire. Et là, du coup, j'ai refait cette piste, il me semble. Qui est toujours le... Voilà, vous voyez, piste 23, elle est plus nommée la petite bleue, la belle bleue et la petite bleue. Voilà, mais c'est toujours des bleus. Et là, il y a la rouge. Et là, il y a l'arrivée verte. Et ça, c'est des vertes. Et voilà. Et celle-là, normalement, devrait être verte aussi. Ici, alors, on va recommencer. Oh non! Oh non, il y a encore les bugs! Oh, je suis deg! Oh, mais non, mais je suis dégoûté! Ah, ça les a pas enlevés. Oh là 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 là. Alors j'espère que c'est celle-là. Hein. Voilà, donc là, ça va être la galère. C'est parti. Mais on a dit qu'on continuait. Je vais pas recommencer une partie, même si depuis que le jeu est sorti, je devrais. Hein. Ah, ça m'embête. J'avais tout réparé. En fait, je vois que ça n'a pas marché. Bon. Alors attention. Là, c'était une foule noire. Ah ouais, il y avait du bleu. Il y avait un peu de tout, là. Ok. Donc, on va la reprendre. D'ailleurs, on va la faire en moyenne. On va se partir de ce petit virage. Et moi, on va faire une noire. Écoutez. Ouais, je sais pas trop si on va faire beaucoup de noir quand même et un petit peu de vert, voilà. Alors là, alors non, ça n'a pas changé. Ah non, c'est parce que c'est en construction. Et ici, j'espère que c'est celle-là. Parce que vous voyez, ça marque open hein, quand même. Hein. Et ce qui est sûr, c'est que c'est pas celle-là parce que tout le monde descend dessus. Donc on va refaire celle-là. Qui descendait par ici, très bien. Il y avait un peu de rouge et beaucoup de noir, très bien. Et du coup, on va peut-être aussi faire une moyenne. Un peu de rouge, beaucoup de noir, il y avait. Donc on va le remettre comme ça. Alors là, si je peux avoir corrigé les bugs, les gars, ce serait magnifique. Ici, qu'est-ce qui se passe? Entretien programmé. On va faire accélérer ça aussi. Alors, entretien programmé, j'ai combien de mécanos? J'en ai ici. T'as vu, mécanicien. Ah oui, on a ça maintenant, c'est vrai.
dispositif anti-gel, 200 mètres d'autonomie et moins 10 km/h de vitesse de déplacement. Ils vont plus loin, mais ils vont moins vite. Puis 150 mètres d'autonomie, moins 20 mètres de déplacement, plus 10 vitesses de travail. Ah ouais, je vais pas les faire aller hyper doucement. Non, on va mettre que 1 sur 2. Attendez, là c'est quoi? 150 mètres d'autonomie et là 200 mètres d'autonomie. 10 unités, ils travaillent plus vite. On va peut-être mettre ça plutôt ici. Hein. Treuil de tractage. Est-ce qu'il y a des mécanos en bas? Genre toi. Treuil de tractage. Ici. Loge de bâtisseur. Là on a des mécanos. Ici on a du dispositif anti-gel. Pourquoi? Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Ok, alors ici il faut du monde. Boum. Hop, plus de coupe. Ici. Du monde. Et là, les gars, combien? 6 personnes. Avec réducteur de couple. Let's go, on n'a pas peur. Quoique, non, on va se calmer. On va pas mettre le réducteur de couple de suite. Ok. Voilà l'entrée de notre domaine skiable, au fait, hein, pour ceux qui ne savaient pas. On arrive d'ici. Et ok, donc on est à peu près bon sur tout ce qu'on voulait faire. Est-ce qu'on a encore des bugs? Ok, on n'a plus de bugs. Très bien. Faudrait pas mettre plus de mécanos, ça c'est moche. Ok, là on a un petit refuge. Là, on a beaucoup de monde qui attend. On va mettre on va mettre pas de barre à soupe, hein. on va mettre une buvette d'altitude. Alors attendez, là ça fait vraiment petit village, on pourrait la mettre ici comme ça, hein. D'altitude, et on va quand même mettre un baraté à côté. C'était baraté? Non, c'est le camion, l'espèce de camionnette, là, voilà, barre à soupe, pas baraté. Écoutez, on est des fous, on n'a pas peur. Deux personnes ici, on se dépêche de construire. Alors, j'aimerais bien que les entretiens aillent assez vite, en cours d'entretien, donc c'est bon. Parce que là, on a quand même 5 files d'attente problématiques. Toutes les files d'attente sont problématiques, en fait. C'est le seul léger petit problème. Mais quand on va agrandir la station, à mon avis, on va dispatcher les gens, j'espère. Ok. Voilà, vous pouvez patienter maintenant, vous prendre un petit bar, une petite soupe, ce que vous voulez. Alors là, c'est en cours d'entretien. En cours d'entretien, ici. Entretien programmé, très bien. Donc ça va, ça répond pas trop. Ici, les gars, regardez ça. Ici, on va faire un petit peu plus de pistes avant de s'attaquer. On s'attaquera dans une prochaine vidéo aux nouvelles parties du domaine. Là, on va bien fixer tout ce qu'on a fait pour pouvoir se barrer gentiment. Et ici, on a largement la place de se faire un gros mur qui partirait de là. Et de là? Départ bien dangereux, non? Ou ici? Ouais, voilà. Ici, on va faire ça. Donc, petit départ rouge des familles. Qui va ensuite se transformer en gros mur bien noir. Ou tiens, si on restait sur de la rouge, non? Oh, oh! Est-ce que je ferais ça? Ah, mais ça creuse beaucoup la piste. Ça c'est de la piste noire, les gars. Est-ce qu'il va me la compter en noir? S'il me la compte en noir, c'est parfait, elle est trop belle. Waouh, au-dessus du caillou. Et quand il y a beaucoup de neige, on peut sauter la corniche ici. Ouais, parfait. Ça d'ailleurs, c'est les meilleurs sauts en snowboard. Hein. C'est quand t'arrives sur la piste et que tu prends un gros virage et que ça fait un gros mur et qu'après t'as de la grosse pente avec de la puff. Là tu peux te jeter, mon porc, et t'envoyer en l'air à 10 mètres de haut, retomber sur la tête. Enfin, l'idéal c'est de pas tomber sur la tête, mais est-ce que c'est une noire? Yes, c'est une noire. Allez les enfants, allez-y, vous pouvez aller là. Et là, ça manque un petit peu de personnel ici, dis donc, avec toutes ces pistes noires. On va quand même se mettre... On va quand même se faire un petit pied-à-terre ici, tiens. On va se mettre un petit hangar à dameuse. Parce que les pistes noires, faut qu'elles soient bien damées, hein. Ça, c'est sûr et certain. Et à côté, on va se mettre une petite cabane de pisteurs. Et vu qu'on est sur le haut de la montagne, pour les plus téméraires qui sont arrivés jusque-là, pourquoi pas leur mettre quand même une petite cabane à soupe des familles. Alors attendez, est-ce que ça va bien, cette histoire? En plein au bord du vide. Comme par exemple ici. Non? Boum! Oh oui, ça fait plaisir, regardez ça là. On vient boire notre petit café juste ici. Et ensuite on s'attaque le gros mur. Youh, alors là c'est tranquille. Elle est belle cette noire, hein. Ça c'est une jolie noire, les gars. Ok. Trêve de branlette. Alors ici on va mettre treuil de tractage pour qu'ils aillent vraiment le plus loin possible. Et là on va mettre un petit gars. Une fois que ce sera construit,
Allez-y les enfants, allez-y. On va attendre quelques instants. Et là, je crois qu'on a tout fixé. Vous savez quoi? On va faire une dernière piste. Et je pense qu'on va se laisser là pour aujourd'hui. Ce sera très bien. Je vais pas faire des vidéos plus longues. Hein. Je préfère faire des petites vidéos et en sortir plusieurs. Plutôt que faire un truc où les gens s'endorment et regardent partout. Le format était très bien jusqu'à présent. Je sais que vous voulez en voir plus, les amis. Mais vous inquiétez pas, il va y avoir beaucoup de vidéos. Parce que j'essaie encore d'en sortir deux par jour. Puisque là, je vais encore tout record d'affilée. Pendant, je vais jouer 3 heures, je pense. 3-4 heures. Donc on va voir. Enfin, peut-être pas 3-4 heures, j'exagère un peu. Peut-être 2 heures, ce sera déjà pas mal. Mais on va essayer d'avancer sur la partie. Allez, mon enfant! C'est l'heure de la construction. Pas beaucoup de fréquentation ici, hein. Ah, ça y est. Ça y est. Est-ce qu'il y a des téméraires qui vont aller prendre la nouvelle piste? Attendez, si j'en vois un. Si j'en vois un prendre la nouvelle, on va le suivre. Viens, mon enfant, viens! C'est bientôt, la vidéo est finie, c'est maintenant qu'il faut y aller. Non? Non? Lui, il s'est barré là-bas, lui, il s'est barré là. Non, toujours pas. Faut attendre un petit peu que tout ce qui a été programmé en bas soit parti et qu'il y ait des nouvelles programmations du jeu pour que les skieurs aillent là-dedans, à mon avis. Mais ce serait bien de les voir un jour. On n'a pas que ça à foutre. On a des vidéos à tourner. La fréquentation n'est pas énorme ici. Est-ce qu'il y en a un qui va s'y risquer? Ils ont peur, hein. Celle-là, elle est trop technique, à mon avis. Personne n'ose y aller encore. Allez, on en laisse passer un ou deux. Il y en a un qui arrive encore. Non. Non. Et non plus. Bon, et ben on reviendra plus tard voir si ça marche. Ok, il n'y en a pas un qui l'apprend, quoi. Mais c'est fou, vous avez payé. Allez-y, faites tout le domaine. En tout cas, lui, c'est gavé. Il s'est gavé. Allez, on en fait une petite dernière ensemble. J'avais cette idée là de faire vraiment un petit S vert tout le long à côté de la grande en moyen. Donc on se fait cette petite piste et je pense que le domaine principal là va être complètement terminé. Ce sera la partie la plus ancienne du domaine. Et vous allez voir que dans les prochaines vidéos, on va bien s'amuser. Voilà, ça remonte un peu de plat. Un petit virage bleu qui fait un peu peur à la famille. Et de suite, on repart dans de la belle courbe verte. Ok, voyons un peu ce que ça donne. Ouais, c'est pas mal, c'est joli, ça fait comme un petit border cross. Et là, alors attendez, je vais faire comme ça, on va allonger un peu. Ah ouais, non, mais je peux pas. Non, bah on va raccourcir alors. Hein. Yes, parfait, c'était exactement le genre de forme que je voulais lui donner. Et là, on peut faire un petit raccord pour l'esprit du ski. Non, non, on va pas trop abuser. Voyons, on va voir. On va attendre s'il y a un skieur qui l'apprend, mais on va pas attendre longtemps, je vous promets, parce que là, on arrive à 20 minutes de vidéo. Donc j'attends quelques secondes avec vous, et on va se laisser ici, les amis, on en a assez fait pour aujourd'hui. Et on se revoit pour la suite, pour partir de l'autre côté du domaine. J'ai zéro recherche, bravo. Oh oui, 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 oui. Alors, frein d'urgence. Qu'est-ce que ça fait? Téléski, télésiège, plus 150 mètres de vitesse heure. Ah, excellent. Et plus de taux d'usure. Ah, mais ça, c'est important. Faut le chercher, quand même. Cabine simplifiée. Plus 10% d'inclinaison max. Excellent. On a le débrayable 4 places. Oh, cool, cool, cool. La nouvelle station, elle va être beaucoup plus moderne. Ça va nous envoyer partout sur des hauteurs plus hautes, faire des pistes plus dangereuses. Ça va être un régal. Le dispositif anti-choc, moins 5% de taux d'usure. Ben voilà, parfait. Et le chauffage d'appoint pour les sièges. On va prendre le cuisine du chef, tiens. Le défi de taille, proposer une nourriture digne d'un chef dans la cuisine de haute montagne. Ah ouais, hein. Durée de service plus longue et plus 15 en nourriture. Ok. Alors, on a dégagé là les 4 recherches. Au boulot! Attention, est-ce qu'il y a des téméraires qui vont aller ici? En tout cas, il y a de la fréquence. Oui! Il est là! On le suit. Mon enfant, à nous! Fais-nous rêver pour ta dernière piste! Mais non, parce que tu branles. Où tu vas? Oh le con. Oh il a pris celle-là. Oh il y en a un qui a pris celle-là, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oh purée, c'est un noir, on va sur un noir en plus. Ok, suivons-le. L'hardi aventurier. Let's go baby, c'est parti. Youhou, petit virage, on appuie sur les bâtons, on appuie bien sur la jambe intérieure, on maintient la car. On maintient la car. On appuie, planté de bâton, et on l'a perdu parce qu'on s'est trompé de bouton. Ok.
Et là, il arrive gentiment. Mais qu'est-ce qu'il fait là, ce skieur de piste noire à skier sur les poteaux, là? Il va prendre un petit café ou quoi? Et là, voyons, il va où? Oh, le prof à la retraite. Oh, le casse-couille, il est là. Voyons s'il est plus content, lui. Il est à 12% d'endurance. En fait, l'endurance, paraît-il qu'il faut qu'il skie longtemps. Il faut qu'il y ait de longues pistes. Est-ce que c'est programmé ici? Oui, en cours d'entretien. Tout va bien. On a fixé la station. On a notre nouveau 6 places qui est ici. Enfin, notre... qu'est-ce que je raconte? Notre télécabine, 10 places. Nos petits œufs. Et on est prêt à se barrer de l'autre côté, les gars. Allez, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que ça vous fait plaisir qu'on continue sur la même partie en plus. Hein, parce que franchement, si je faisais pas de vidéo, j'aurais déjà recommencé 10 fois. En tout cas, on continue cette... What? Je crois qu'on était à 70 skieurs. On est à 700 skieurs. Cool. Et on est à combien d'étoiles? 2,90. Non, dans le profil, satisfaction totale 70. Mais on n'est pas si pire. Allez, des bisous à tous. À très vite pour la suite. Ciao, ciao.